Je suis inconsolable. Je suis inconsolable. Hello my people, how are you doing? It's your boy Dave Foster. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Jéhovah. On a une vidéo aujourd'hui, une vidéo triste. Je vais pas trop durer aussi la vidéo parce que voilà, j'aime pas ce genre de vidéo. L'événement s'est déroulé le 25 août. Ça s'est passé à Philly, dans la commune urbaine de Koya, en Guinée. Une histoire triste. Voilà, une dame qui s'est fait frapper parce qu'elle a vu son mari en train de commettre l'adultère. Et ce dernier n'a pas apprécié que voilà, elle soit présente sur le lieu et tout ça. Il l'a tabassé. Et voilà, elle est décédée des jours après cet événement. Je vous laisse regarder la vidéo et après la vidéo, on revient ici pour les commentaires. À tout à l'heure. Tu vas me donner des explications, hein? Par ses propos, par ses maintenant, sales propos. Maintenant, si, ça, tu ne parles pas. Viens par là. Voilà. Tu vas, explique-moi clairement comment ça s'est passé, hein? Ma sœur lui a trouvé faire. Vous, votre nom, c'est comment? Moi, je suis Daouda Camara. Oui. Là-bas. Tu fais quoi? Je suis informaticien. Voilà, on a appris que votre sœur est décédée ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ma sœur lui a trouvé faire l'adultère dans sa propre maison. Imagine, au lieu de prendre ma sœur, le caresser, il continue. Il commence à battre ma sœur en lui disant que je vais te tuer. Tu sais que je ne t'aime pas, pourquoi tu es venu ici? Et aucune de sa famille, de ta famille ne pourra me suivre. Je suis militaire, personne. Un militaire ne fera pas mal à un militaire. Tu le verras, je vais te tuer, je vais marier une autre femme. C'est ses propos qui vont me faire tuer si le président Doumbouya ne fait rien. Quand il faut que la justice soit frappée. Il lui a frappé jusqu'au son bras là est cassé. Et là, imagine. Il pouvait le prendre dire que s'il y avait, s'il le comprenait, il a reçu, il a gagné. Je lui disais chaque fois qu'il bat ma soeur, je dis lui là, je l'aime. S'il te plaît, ne lui fais pas mal. Il ne fait pas mal, ma sœur me dit, il dit qu'il va me tuer. Qu'il va me tuer parce qu'il est militaire. Il est qui pour faire ça? Ma sœur est irresponsable et irremplaçable. Je suis inconsolable. En tant que je ne vois pas rôle dans les barreaux de Mbouya, président de la République, je peux me suicider. Vous allez entendre une semaine après qu'il ouais, a perdu son frère aussi. Je vous le promets, président. Je vais vous voir le radier parce qu'il croit à sa tenue. C'est juste ça qui me fait mal. En lui battant, il dit je suis militaire, je vais te tuer. C'est là qui me fait mal. Regardez, il a gagné aujourd'hui. Il l'a tué. Je vais mourir. La Guinée, je vais mourir. Je suis inconsolable. Je suis inconsolable. Ma sœur est irremplaçable dans ma vie. Je vais me tuer. Si la justice n'est pas faite, si on ne lui radie pas, je vais me tuer parce que c'est à sa tenue, il croit. C'est au nom de sa tenue qu'il a tué ma sœur. Prenez-lui. Mon président, je suis fatigué. Je t'ai toujours aimé depuis que tu es venu. Tu es l'homme du droit, alors aide-nous la famille, sinon la douleur là va me tuer, je te le promets. Je te le promets, je jure au nom de Dieu, la douleur va me tuer, la manière de mourir de ma terre va me tuer. Ses propos vont me tuer. Vous avez vu la vidéo, c'est triste, n'est-ce pas? Horrible. It's unbelievable. Horrible people. Des Africains qui font de la bêtise à leurs propres frères africains. On en voit ça de jour en jour. C'est disgusting. On va aller au commentaire, alright? On va aller au commentaire. Donc on a le premier commentaire de Arlette qui dit oh là là, on sent la douleur à l'intérieur de ce monsieur. Que Dieu lui donne la force de surmonter cette époque. RIP à ta soeur et courage à vous. Vraiment triste, on sent la douleur. Un homme qui crie, qui pleure comme ça. Oula, c'est chaud quoi, c'est chaud, trop triste. Il y a Mohamed Dola qui dit quand on recrute les bandits criminels dans l'armée. Ah ben oui, oui, oui. Ça c'est des choses qu'on a eu à voir dans le passé. Hein. Voilà, je ne dirai pas trop de choses parce que j'ai pas trop envie de parler aujourd'hui. Mais oui, quand on recrute des fois des bandits pour les mettre dans ces genres de profession, c'est ce qui peut arriver. Il faut faire attention parce qu'en Afrique, il y a tellement de légèreté. Les gens, des fois, se trouvent de boulot par affinité et tout ça. Bon, bref, on finira pas cette vidéo si je veux commencer. On va partir au commentaire de Jenna Barry
qui dit que son âme repose en paix et que Dieu l'accorde le paradis. Aidez le frère à la défunte. Il a besoin de soutien moral. Il est en pleine dépression et risque de péter un plomb. Oui, il a besoin de franchement suivi, mais c'est en Afrique. J'espère que voilà, il y a des choses qui vont se faire parce que voilà, en Afrique, c'est des choses qui sont négligées. Sinon, c'est quelqu'un qui va déprimer beaucoup vu son état de douleur et tout ça. On a aussi Adama qui dit: je suis vraiment désolé car là l'accueille dans son paradis éternel. Sois fort, mon grand. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On peut lui juste, you know, dire de gentils commentaires parce qu'il en a besoin. Alright. On a un autre commentaire de Ladiva qui dit: c'est pas mieux qu'on reste célibataire que son âme reposée. Franchement. Moi, j'ai toujours dit ici que voilà, le mariage n'est pas une fin en soi. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Que tu sois un homme ou une femme. Évitez de vous faire violenter avant même que vous ne rentrez dans les maisons des gens qui prétendent vous aimer. Voilà. Moi, je pense que pour une personne qui part voir un monsieur qui est en train de la tromper, le monsieur même, il ne devait même pas, même, how dare he, thinks, he could put his hands on her. Hein? How dare he? Il pense qu'il est qui pour mettre ses mains sur la dame pendant qu'elle te trouve en train de la tromper. Hein? Mais arrêtez aussi de vouloir forcément penser que, voilà, vous allez régler ce genre de choses parce que des gens qui ne vous respectent pas seront ceux-là qui vont faire de sorte que quand ils vous trompent, vous êtes même apte à les voir. Hein? Quelqu'un qui te trompe et puis tu le vois en train de te tromper, il a fait toutes ses possibilités, il a mis tous les efforts en œuvre pour que toi tu arrives à voir où il est en train de te tromper. Mais c'est qu'il ne t'aime pas, il n'y a plus d'amour, c'est difficile à entendre, mais il faut assumer que voilà, l'amour n'est plus là. Et parti pendant qu'il est tôt. Parce que les vies, vous en perdez. Voilà, vous allez en perdre des vies avec des personnes violentes. Que tu sois homme, que tu sois femme, il y a une violence, il faut que tu partes. Les hommes se font aussi abuser. Voilà, on a vu ici l'exemple de Eunice qui a abusé de son copain la dernière fois. C'est pourquoi je n'ai pas fait ma vidéo, parce que voilà, on était sur l'histoire de Eunice. Mais voilà, ça, c'est une dame aujourd'hui qui subit. Donc, peu importe ton sexe, you know, ton sexe, que tu sois masculin ou féminin, l'abus, tu pars. Parce que c'est fatal. Alright? C'est fatal. On a un commentaire encore de Salmata qui dit: courage, mon frère. Te tuer n'est pas une solution. Ça sera encore une très grande perte pour la famille et pleurer. Confie-toi au Tout-Puissant. Franchement, il ne faut pas te tuer, mon frère. Voilà, le suicide, c'est pas quelque chose déjà que... Le suicide, c'est pas quelque chose déjà que Dieu il aime. Voilà, Jéhovah n'aime pas le suicide. Donc, ne fais pas cela. You need to calm down, ok? C'est difficile. C'est pas des choses... On ne sait même pas comment consoler des gens qui sont vraiment tristes comme ça, hein. Hein, les gens qui sont dans ce genre de situation, tu n'es pas le seul. I don't know what to say, really. But il faut franchement faire, you know, redouble d'effort. Sois fort, essaie de faire l'effort, de ne pas te faire de mal. Ok? Je ne sais pas ce que tu vas faire. Ben, il faut tout faire, mais ne même pas faire en ta vie parce que voilà, ça sera une connerie. Ça sera une connerie que tu feras. Ne fais pas cela, ok? You know, I'm so sorry, but. Yeah, soit be strong, alright, soit strong, alright. Donc on a un commentaire de Ba Aïcha qui dit: j'ai vraiment triste, je crois que vous l'avez dit, c'est vraiment triste. Du courage, mon ami, que l'âme de notre sœur se repose en paix. Franchement triste, vraiment triste. Ça c'était Ba Aïcha. Il y a Diallo qui dit: paix à son âme. Le suicide n'est pas la solution. Occupe-toi de ses enfants si elle en a laissé. Franchement, si elle a des enfants, voilà, tu es un tonton, il ne faut pas te faire du mal. Il faut être fort pour ces enfants-là parce que ces enfants-là ont besoin de toi. Pense à ta famille proche, à ta femme aussi si tu en as, à tes enfants, à toi-même. Voilà, il ne faut pas te faire de tort. Franchement, le suicide, ce n'est pas que je veux encourager. Vous qui partez, vous qui êtes dans des situations de ce genre, ne pensez pas à vous faire du mal. Ne pensez pas au suicide, ce n'est pas la solution, ok? Voilà, c'est clair que vous allez penser que c'est facile à dire, mais voilà, ne vous faites pas de mal. Non, c'est pas nécessaire. Imaginez vous mourir les plus bons temps. Ces deux personnes qui sont parties dans la même famille, ça fait un peu chelou. Okay, ne faites pas ça. Okay, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pensez voilà, à vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos mères, vos pères et tout ça. Ne passez pas à ça. Ne pensez même pas à ce genre de choses parce que le diable, il est là. Le diable, il peut vous faire passer à l'action. Donc, ne nourrissez pas ce genre d'idées, ok? Voilà.
Je sais que ceci le fait de l'émotion, mais voilà, s'il y a des choses qu'il ne faut pas penser quand on est un peu dans des émotions de ce genre. Sinon, voilà, on est dans un monde du diable. Le diable, il fait des bêtises. Alright? Ok, alright. Bon, c'est tout pour les messages. Franchement, les corps habillés, les militaires qui font un bon boulot, chapeau à vous. Vous qui êtes des petits démons, voilà, essayez de vous ressaisir. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Et nul n'a le droit de porter main à qui que ce soit. Donc voilà, c'était tout pour les commentaires. Mes darlings et mes chocos, c'était votre boy Defo Star. Triste nouvelle, hein? Triste nouvelle. Et ben voilà, c'est la vie. C'est la vie, il y en a tellement de nouvelles de ce genre. Ben, j'ai déposé cette vidéo. Tout ce que vous devez faire, partager pour sensibiliser, thumb up, ok? You know, ce que vous pouvez dire en commentaire, vous dites si ce genre de cas vous est arrivé, voilà, comment vous avez eu à surmonter ce genre de cas, dites pour peut-être les personnes comme le frère qui peut vous lire et puis avoir cette force de ne pas vouloir faire des bêtises comme le suicide et tout ça. Commentez, partagez. Voilà, nous sommes ici pour s'entraider, ok? Nous sommes des frères. Donc, je vous laisse, mais je ne pars pas, ok? Je reviendrai encore ce soir ou demain. Et j'espère que d'ici là, vous vous porteriez bien. Et puis, ok, we're gonna meet here again. So, take care, and I see you when I see you in another video. Alright? Defo Star.